Pauline, atteinte d'une fistule obstétricale à 13 ans. Pauline, originaire de Tourmandid, est actuellement âgée de 20 ans. Elle souffre de fistule obstétricale depuis qu'elle est âgée de 13 ans. Si elle a pu venir dans la capitale dans l'espoir d'être opérée, de guérir et de retrouver la dignité, c'est grâce à son voisinage qui a ressenti de la compassion à son égard, d'autant plus qu'elle est issue d'une famille nécessiteuse. Selon cette femme qui l'a accompagnée, Pauline a été victime de viol alors qu'elle avait tout juste 13 ans. Il s'en est suivi une grossesse précoce et c'est ce qui a été à l'origine de la fistule obstétricale. Sa maladie était grave compte tenu de la fréquence des fuites urinaires et de l'odeur que cela dégageait. À ses côtés se trouve Ratia Tahirmanen. Âgée de 43 ans, elle souffre de fistule obstétricale depuis l'âge de 17 ans. « Il est difficile pour nous de travailler », déplore-t-elle. « En une journée, nous sommes obligés de nous changer au moins 5 fois et de laver nos linges sales remplis d'urine. » Elle a fait part de son souhait au cours de la visite effectuée par les officiels ce matin. Les femmes, une fois opérées et réparées, devraient bénéficier d'un appui pour leur réinsertion sociale, étant la plupart du temps stigmatisées, et d'un fonds qui leur permet de démarrer des activités pour qu'elles soient autonomes.